Famille Valsonneur, pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre sainte cène, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer à l'église Valsonneur située à Engrais 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire ou par transfert international à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga, nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est l'alpha, le commencement. Il est l'alpha, le principe de la création. Il est l'alpha, celui par qui toute chose existe. Il est l'alpha, tout ce qui commence sans lui est voué à l'échec. Il est l'alpha, celui par qui tout s'éveille à la vie. Il est l'alpha, la fondation de tout l'édifice de la création. Il est l'alpha. Sans lui, tu n'es rien. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Entends sa voix avant de commencer toute chose. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons pour qui tu es. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons, Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu nous as montré, Seigneur Dieu, durant ces derniers mois, qu'hormis toi, tout n'est que néant. Tu nous as montré, Seigneur Dieu, qu'il te suffit de dire un mot. Il te suffit de dire un mot et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Seigneur Dieu, Dieu au-dessus de tout. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Suprême autorité. Suprême autorité, nous venons t'élever, nous venons te rendre toute la gloire. Toi, le Dieu, de tout temps et de toutes circonstances, toi qui détiens nos vies entre tes mains, toi à qui nous appartenons,
toi à qui nos vies appartiennent, qui est comme toi sur toute de la terre, qui est comme toi sur toute de la terre. Hey. Créateur de tout. Dieu créateur de tout. Alléluia. Tu es Dieu. Tout appartient. Tout appartient. Et tu es Dieu. Et il n'y en a point d'autre comme toi. Et il y en sur toute la terre. Alléluia. Tu es Dieu. Oui, disons-le encore. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Le pouvoir est à toi, Jésus. Le pouvoir est à oh, tout toi. Appartient, Jésus. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu. Oh, rien ne t'est impossible.
acclamer Jésus, nous voulons honorer ta présence en ce dimanche. Béni sois-tu, Père de grâce, en ce dimanche 29. Seigneur, nous te disons merci d'avoir accordé la vie en ce jour. Si vous me suivez en ce jour, bienvenue à ce deuxième service de ce week-end 29 mars 2020. Alors c'est un culte plein parce que c'est l'Église en ligne. Alors Père, Mère, si vous êtes assemblés dans votre salon avec vos enfants, l'occasion nous est donnée d'acclamer le Seigneur, d'honorer sa sainte présence. Car la Bible déclare dans Psaume 96 au verset 7, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur ». Nous voulons bénir le Seigneur pour ce jour qui nous accorde. Que toutes les nations de la terre bénissent et élèvent l'Éternel en ce dimanche, de l'Océanie, en Asie, en passant par l'Afrique et l'Europe. Nous voulons élever celui qui est digne de louange, celui qui est digne de magnificence, celui-là qui a préservé nos vies, même si les calamités se sont effondrées dans les nations. Mais nous savons une chose, la main de l'Éternel a été là et la main de l'Éternel préserve nos vies. Alléluia. Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue ce dimanche et nous voulons t'inviter à prendre des dispositions pour être pleinement dans ce culte. L'occasion est donnée aussi, si vous faites le culte en famille, les enfants n'ont pas été oubliés. Alors si vos enfants sont à côté de vous, ils peuvent aussi faire le culte en allant sur www.vasedhonneur.org et en choisissant la section de leur classe, ils pourront ainsi participer à l'école du dimanche. Mais le culte, c'est aussi apporter au Seigneur nos offrandes. Alors nous sommes disposés ce dimanche à apporter au Seigneur nos dîmes et ainsi à offrir au Seigneur notre offrande. Celui-là qui nous a préservés, bien même que nous avons été quelquefois confinés dans nos maisons, le Seigneur nous a donné à avoir la grâce de pouvoir recueillir nos salaires, de recueillir le fruit de notre travail. Et il est digne, ce Dieu, de nous souvenir de lui en apportant nos dîmes ce dimanche. Vous avez la possibilité d'apporter vos dîmes par les différents moyens qui nous sont mis à disposition juste au bas de l'écran. Vous avez à choisir les moyens par le moyen mobile monnaie ou les moyens différents selon la banque à votre choix. Bien-aimé, nous voulons prier si tu as ton offrande en main et si tu es prêt à porter ton offrande ce dimanche. Père de grâce, nous voici devant toi. Seigneur, ô Dieu, nous avons compris une chose, t'adorer ce ne sont pas les bâtiments, mais ce sont les cœurs, Père, qui se réunissent en famille, de par le monde, par les différents moyens en ce jour, tel que nous sommes en train de t'adorer ce dimanche. Nous voulons t'apporter, Seigneur, ô Dieu, notre offrande. Nous voulons t'apporter aussi nos dîmes, Jésus. Daigne, Seigneur, ô Dieu, de les sanctifier et de les bénir, et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. C'est ainsi que nous avons prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Ta parole dit que tu es très digne de louange. Ah oui, Seigneur Jésus. Nous disons oui et amen à cette parole. Parce que personne ne peut subsister devant toi. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie de là où tu es? Parole ensemble. Aucune forme de trouble ne résiste à sa paix. Aucune tristesse ne résiste à sa joie. Aucune forme de mort ne résiste à sa situation, aucune maladie. Déclarons encore, aucune forme de trouble ne résiste à sa paix, aucune tristesse ne résiste à la joie de Jésus. Aucune forme de trouble ne résiste à sa paix. Aucune tristesse. Alléluia.
la terre. Tu dis une parole et elle arrive. Tu entends et elle existe. Tu es le feu au-dessus de tout. Disons, oh Jésus, oh Jésus, mon Rédempteur. Comme toi sur toute la terre. Oh, 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 oh. Je vis, je vis. Oh, 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 oh. De remerciements chantent. Oh, 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 oh.
Position
admirer ce Dieu. Tu peux admirer ce Dieu. Tu peux contempler son nom. Tu peux contempler ses bontés pour toi. Oui, Seigneur Jésus, je me souviens de ce que tu as fait pour moi. Je me souviens de ce que tu t'es souvenu de moi. Oui, tu t'es souvenu de moi. Oui, tu t'es toujours tenu prêt pour moi. Il suffit que je t'invoque et tu réponds. Oui, tu réponds. Oui, tu réponds. Oui, tu réponds. Oui, tu réponds. Tu réponds. Tu réponds. Tu réponds. Oui, il aime entendre tes paroles. Oh Dieu, oh merveilleux, admirable conseiller, admirable conseiller, admirable conseiller. Le roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Juste ta présence. Ma vie, oui.
toi, Jésus-Christ. Disons-le ensemble. Je viens t'offrir, Seigneur. Que j'ai de meilleur. Me voici devant toi tel que je suis. Je viens t'offrir, Seigneur. Toi, Jésus-Christ, oui, à toi, Jésus. Déclarons-le encore. Je viens. Seigneur, ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Même si c'est difficile, je viens à toi avec assurance. C'est difficile, moi je chante. De célébrer, oh mon Dieu.
c'est l'essentiel, tu vas le dire encore. Gloire à l'Éternel. Je veux choisir, Seigneur Dieu, ton nom est l'essentiel. Je chanterai louange à son nom. Oh mon Dieu, je chanterai Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles. Reçois notre louange, reçois nos acclamations. Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu puissant. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Souhaite à un voisin, souhaite à une voisine, s'il a quelqu'un à côté de toi, souhaite à un voisin, une voisine, un excellent dimanche dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous voilà à ce dimanche 29 mars 2020, à ce culte exceptionnel qui est un culte exclusivement en ligne. Alléluia. C'est pourquoi dans la partie des tchats, tu vas saluer un frère, saluer une sœur et faire les choses. Amen. Voilà, saluer quelqu'un et bénir le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que malgré tout, en dépit des circonstances, il nous donne de pouvoir développer davantage ces cultes en ligne. Alléluia. Donc c'est notre deuxième culte exceptionnel comme ça. Et nous savons et nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation va nous développer. Cette situation va nous permettre d'aller de l'avant. Cette situation va nous donner de faire les choses mieux pour le Seigneur, de grandir dans le Seigneur. Dis à un voisin, dis à quelqu'un en direct, je vais grandir avec Jésus. Je vais faire mieux pour Jésus. Je vais avancer avec Jésus. Je vais progresser avec Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors hier samedi, mon message était différent de ce que je vais partager avec vous maintenant. Et c'est pourquoi, si vous avez fait le culte du samedi, vraiment cette fois-ci, faites l'effort aussi de suivre maintenant ce culte. Alléluia. Voilà. Et si vous n'étiez pas au culte du samedi, vous pouvez toujours aller donc sur notre site vasedonneur.org, www.vasedonneur.org, et puis réécouter ou bien sûr notre Vase d'honneur TV sur YouTube, et puis refaire ce culte qui était un culte destiné à la guérison, au miracle. Et hier, j'ai parlé des deux types de foi qui vous donnent de vivre des guérisons surnaturelles. C'était un culte à l'endroit de toutes ces personnes-là malades, souffrant de ce virus, de ce démon que nous avons renommé Covid-19. On lui a enlevé le co parce qu'on ne lui donne aucune couronne. On ne lui donne aucune couronne. On déclare qu'il est vide et on va le vider de cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je suis venu parler à l'équipe d'hommes et de femmes qui vont vider et qui sont en train de vider ce type d'esprit. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, cette situation, je sais qu'elle va bientôt. Elle est en train de s'arrêter. On a fait 3 jours de jeûne. Je sais qu'on a mis un bon coup à ce démon-là. On l'a bien enfermé dans le nom de Jésus. Et maintenant, on va rentrer dans une atmosphère de louange et d'adoration. Le mardi, au MS Life, je vais vous donner un programme. Nous allons rentrer dans une chaîne de prière 24 heures sur 24. Chacun par rapport à la zone où il est positionné. On va faire, tu pourras prier à tout moment, mais tu vas avoir des heures. Et on va faire une chaîne de prière mondiale. Mais je donnerai plus de temps, le temps de mieux organiser les choses. On va créer une page où vous pourrez venir vous inscrire. Amen. Choisir des heures. Et on va garder les mains levées jusqu'à ce qu'on ne voit plus une seule personne sur la terre malade de l'influence du Covid-19. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et aujourd'hui, je vais continuer à nous équiper sur comment est-ce qu'on peut contrecarrer ce type d'esprit. Et il se trouve que le point que je vais aborder aujourd'hui coïncide avec notre série 11 victoires pour 10 types de défis. Et aujourd'hui, je vais toucher le premier point du défi numéro 4, du désert numéro 4. Alléluia. Et les clés qui sont dans ce désert, transformer ce désert-là en oasis, nous permettent, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, de traiter
avec cet esprit. C'est pourquoi je vais colorer mon message par rapport aux circonstances actuelles, aux situations actuelles, pour que tu saches qu'est-ce que Dieu peut attendre de toi, qu'est-ce qui peut en advenir dans le nom de Jésus. Alléluia. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Aujourd'hui, on était accompagné par Worship Family. On acclame Jésus. Alléluia, vous voyez, hein? Distanciation. Amen. Vous étiez bien distancé, hein? Voilà, 2 mètres entre chaque personne. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Père, je venais une fois de plus me remettre dans tes saintes mains et remettre mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Je prie afin que tu nous parles, je prie afin que tu nous enseignes, je prie afin que tu nous révèles ta volonté, que tu nous conduises dans ces heures sombres que passe l'humanité, que passe la terre. Nous, tes enfants, nous avons besoin d'être orientés, d'être dirigés, de savoir ce qui quoi faire, comment le faire, Seigneur Dieu. Je prie afin que mon message, le message que tu as mis dans mon cœur, vienne toucher le cœur de quelqu'un, vienne à la rencontre d'une pensée, du cœur d'une personne et vienne susciter davantage cette équipe d'élite que tu es en train de te susciter pour les temps de la fin. Merci Seigneur pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, donc je te disais tantôt, aujourd'hui je vais introduire le défi numéro 4 et donc la victoire ou l'oasis numéro 4. Donc le thème générique de cette nouvelle série du désert, relative donc au désert numéro 4, le thème générique, c'est vaincre l'épreuve des longues attentes et connaître la visitation divine. Vaincre les épreuves. Vaincre l'épreuve des longues attentes. Dis avec moi, longues attentes. Vaincre l'épreuve des longues attentes. On va parler, on va donner des clés. Comment, lorsqu'il y a longtemps que tu attends une promesse, lorsqu'elle tarde à s'accomplir, que faut-il faire? Pourquoi est-ce que la chose tarde? Quelle attitude tu dois avoir? Qu'est-ce que Dieu veut te révéler au travers de cela? Pourquoi souvent le Seigneur nous promet des choses et il prend le temps de les réaliser? Qu'est-ce qu'il veut bâtir en nous? Qu'est-ce qu'il veut créer en nous? Etc. Donc, aujourd'hui, je vais introduire et donner une des premières clés. Alléluia. Et tu vas voir que cette première clé-là te permet d'entrer dans une certaine dimension spirituelle. Alléluia. Et va te permettre, bien sûr, par la grâce de Dieu, de vaincre ce type de démon, genre le vide-19, de vaincre ce type de démon et de vaincre tout autre esprit de ce genre et toute autre épreuve de ce type qui pourrait arriver. Alléluia. Amen. Alors, pour contextualiser la clé que je vais toucher aujourd'hui, même si donc elle est valable pour tout type de désert de longue attente, il y a longtemps que tu attends un enfant, il y a longtemps que tu attends le mariage, il y a longtemps que tu attends le travail, il y a longtemps que tu attends certaines choses, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que tu vas saisir les clés de cet enseignement. Amen. Je viens t'annoncer de la part de Dieu que la chose va arriver incessamment. Alléluia. Dieu ne permet pas à ce qu'une épreuve dure indéfiniment. Non, 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 non. Quelle que soit la difficulté, il y a un temps où Dieu réalise ces choses. Dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il dit ceci. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Ce que Dieu a dit va s'accomplir sûrement. Ce que Dieu a dit va s'accomplir certainement. Mais le Seigneur dit dans ce passage qu'il peut, que Dieu qui a déjà fixé une prophétie, qui a déjà fixé la date, pardon, d'accomplissement d'une prophétie, Dieu qui a déjà décidé que telle chose allait s'accomplir, peut tarder. Peut tarder. Alléluia, dans l'accomplissement. Nous, on avons la foi, nous savons, et je sais, prophétiquement, on a reçu même une prophétie que ces esprits-là, cet esprit de mort qui frappe les nations, ne doit pas durer. Il ne doit pas perdurer dans le mois d'avril. Le mois d'avril ou fin mars doit être sa fin. Mais la Bible dit, Dieu peut promettre une chose et cette chose-là peut tarder à s'accomplir. Lorsqu'une chose tarde à s'accomplir, qu'est-ce que le chrétien peut faire? Et je vais te montrer tout de suite qu'il se trouve qu'il y a la clé dans la révélation du rocher dont on a parlé tantôt, dans la révélation du Christ. Et tu vas voir que toutes ces choses-là sont étroitement liées. Alléluia. Amen. Alors je te prie dans le nom de Jésus, prête attentivement attention à ce message parce que il est sur le point de transformer ta vie. Il est sur le point de
Laissez pleuvoir dans ta vie toutes les bénédictions qui ont tardé à s'accomplir depuis des années, toutes les promesses qui ont tardé à se réaliser. Le temps est arrivé pour toi maintenant de les voir se concrétiser en traitant avec ce désert des longues attentes. Vaincre l'épreuve des longues attentes et connaître les ou la visitation divine. Connaître la visitation divine. Alléluia. Je te lis quelques passages. Quand je parle de visitation divine, il est dit en Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il le fit échapper. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Sarah a attendu longtemps avant d'avoir un enfant. Sarah a attendu longtemps et la Bible dit que l'Éternel se souvient. Donc le mot se souvenir de Dieu, le déclenchement du souvenir est le démarrage d'un afflux de bénédictions. Lorsque Dieu utilise ce mot se souvient, Dieu se souvient. Alléluia. Alléluia. Il y a des actes que Dieu a posés qu'il amène son souvenir. Il a dit par exemple, quand le déluge va vouloir, ou bien des pluies vont envahir la terre, Dieu va mettre un acte dans le ciel et il va se souvenir. Amen. D'une. Et quand il se souvient, il vient protéger. Quand il se souvient, ils vont protéger. Il y a des hommes et des femmes qui ont développé certaines aptitudes de savoir déclencher ce qu'on appelle le souvenir de Dieu. Lorsqu'on utilise la notion de souvenir de Dieu, ça peut nous donner l'impression que Dieu oublie. Mais Dieu n'est pas un homme qui oublie. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Dieu n'oublie pas. Alors le souvenir de Dieu ne veut pas dire que Dieu était là et puis à un moment donné, il est là et puis il dit « Ah, j'avais oublié que je t'avais promis que tu allais avoir ceci. J'avais oublié que j'avais promis ceci, j'avais promis cela. » Non. Dieu n'oublie pas, mais quand il parle de souvenir, il y a des éléments qui viennent déclencher pour dire, il est temps maintenant d'honorer, d'accomplir la chose que tu avais promise. Alors quand la Bible parle de Dieu se souvient, il y a des événements et des choses qui déclenchent l'action de Dieu pour qu'il vienne accomplir et réaliser ce qu'il avait promis dans ta vie. Et nous allons apprendre à déclencher ces choses-là pour que les promesses, les prophéties qui ont tardé à s'accomplir puissent maintenant s'accomplir dans le nom de Jésus. Et cette clé-là du temps, cette clé du temps se trouve dans les clés qu'on reçoit. Quand Dieu dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, il y a une des clés, en tout cas je le crois dans mon cœur, qui te permet de gérer les choses qui tardent, qui te permet d'être efficace par rapport aux choses qui tardent, ce que j'appelle la clé du temps, celle que détenait les fils d'Issacar. Ils sentaient le temps des choses, dit l'Écriture. Ils sentaient à quel moment on devait faire ceci, à quel moment on devait faire cela. Que Dieu, au travers de la clé du temps qu'il avait donnée aux fils d'Issacar, puisse t'accorder, puisse nous accorder la capacité de déclencher le souvenir. Le souvenir, c'est Dieu même qui le déclenche, mais de savoir que Dieu va agir et de pouvoir être en phase avec le souvenir de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que pendant toute cette série d'enseignements, car au début ce n'est que l'introduction, que Dieu se révèle à toi, que le Christ se révèle à toi sur sa dimension du temps, de la gestion du temps, que le Christ se révèle à toi. Afin qu'au travers de ce message, tu saches le bon moment des choses, le temps des choses, le temps de faire ceci et le temps de faire cela, le temps de t'asseoir et le temps de te lever, le temps de manger et le temps de ne pas manger. Quand tu vas sortir de ce message, l'oasis que tu vas trouver, c'est cette révélation-là, des visitations divines, c'est la gestion aussi du temps. Voilà tout ce que Dieu te veut. Lorsqu'une chose tarde à s'accomplir, voyez un ensemble de choses que Dieu veut mettre en place dans ta vie. Savoir déclencher le souvenir et savoir donc, alléluia, faire les choses au bon moment. Faire les choses au bon moment. Alléluia, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que je dis cela, que le souvenir de Dieu vienne vers toi. Que celle qui a attendu longtemps l'enfant, que Dieu se souvienne de toi maintenant. Que toi qui as attendu longtemps le mariage, le ministère, l'onction, la grâce divine, que le Seigneur se souvienne de toi. Que toi qui transportes une promesse dans ton cœur, il a dit, je vais faire ceci, je vais bâtir cela, je ferai ceci, je ferai cela. Que Dieu se révèle à toi au travers de ses messages et que là, tu rentres dans la bonne saison, que la chose se fasse maintenant. Que tu reçoives aussi en toi la capacité de savoir que c'est le moment de te lever, d'aller rencontrer un tel, d'aller rencontrer un tel, d'aller faire ceci ou d'aller faire cela. Parce que faire la chose au mauvais moment fait perdre ce que Dieu a voulu te donner. Que la révélation du Seigneur te soit accordée au travers de cet enseignement au nom de Jésus. Alors je disais que ce message
participe à nous donner la victoire sur ces événements actuels. Alors, c'est la raison pour laquelle je veux donc faire cette bifurcation. Ce n'est pas vraiment une bifurcation, mais cette contextualisation du message par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alléluia. Alors, un des textes que j'ai beaucoup lu et utilisé depuis le début de l'année et depuis que nous traversons cette période étrange, c'est celui de Matthieu chapitre 25. Rappelez-vous, je vous ai dit ceci, que ce que nous sommes en train de vivre est l'accomplissement de certaines prophéties. L'accomplissement de certaines prophéties qui annoncent l'imminence du retour de Jésus. L'imminence du retour de Jésus. Jésus est à la porte. Alléluia. Jésus est à la porte. Amen. Il nous dit que lorsque nous verrons des grandes calamités, créant la peur et l'angoisse, le trouble, la terreur, lorsque nous verrons ces grandes calamités qui créent autant d'angoisse, sachons que le Seigneur est prêt et ayons certaines attitudes. Amen. Ah, j'oublie, pardon. Avant de te lire Matthieu chapitre 25, allons d'abord dans Luc chapitre 21. Luc le chapitre 21. Verset 20, il est dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Verset 21, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations à Jérusalem, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Alors la partie qui m'intéresse ici, même si toutes les autres sont intéressantes, parce qu'il y a une bonne partie de ces prophéties qui se sont accomplies, l'endroit où toutes les nations se sont liguées contre Israël, etc., ce sont des prophéties, une bonne partie en tout cas, se sont déjà réalisées. Et on arrive au verset 25 où il parle de signes dans le soleil et sur la lune. Et ce sont des choses que vous allez voir davantage se multiplier dans le monde, des choses étranges, des phénomènes étranges dans le ciel. Et il est dit toujours au verset 25, et sur la terre, il y aura de l'angoisse. L'histoire du Covid-19, c'est d'apporter un profond sentiment d'angoisse, de peur et de terreur. Et la Bible dit au verset 26 que les hommes même vont rendre l'âme, c'est-à-dire ils vont mourir de terreur. Même pas la terreur peut être causée par la maladie, par beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une terreur qui est causée par ce virus. Mais ce qui même va le plus tuer les personnes, c'est la terreur, c'est-à-dire l'angoisse va attirer des maladies et des choses étranges dans les corps des hommes. Et ça va tuer donc des vies. Juste le sentiment et ces émotions-là de peur. Voilà. Et c'est ce que cause cet esprit-là qui est sorti des abîmes pour tourmenter l'humanité. Et dans le livre de Matthieu 24, dans le livre de Matthieu 24, au verset 29, il est dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Donc la Bible est claire. Lorsqu'on va voir ces choses-là arriver, c'est que le Seigneur est sur le point de venir. Et la Bible nous montre dans ce verset qu'il va prendre, avec lui les élus. Alléluia. Maintenant, revenant aux calamités que nous sommes en train de vivre, un des passages que j'ai lus, il est dit au verset 22 de Matthieu 24, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Non, pardon, je reprends. Verset 22, pardon, il est dit, et si ces jours n'étaient abrégés, et si ces
n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alléluia. Alléluia. Amen. Parenthèse, je veux rappeler que ce culte est simultané en anglais. Donc, vous pouvez suivre les indications sur votre écran et puis basculer sur la version anglaise, la traduction instantanée en anglais. Amen. Just to say that to those who follow me now, you can follow this service, this streaming in English. You have just to touch the indication on your screen and you will go directly to that place and you will follow my message in English. God bless you. Hallelujah. Amen. Alors, une chose que le Seigneur nous dit dans ce passage, c'est que avant l'enlèvement, il va avoir un traumatisme sur la terre qui va se manifester par beaucoup de calamités, dont certaines maladies, qui auront pour propre de créer la peur sur la terre. Et la Bible dit ceci, qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui seront capables de faire abréger ces douleurs. La Bible les appelle les élus. Vous voyez le texte, et puis c'est un peu plus tard que la Bible nous dit ces élus-là vont être enlevés au son de la trompette. C'est pourquoi je dis, et c'est ce que je crois, différemment de certains eschatologues, que l'Église verra, avant son enlèvement, des tribulations de ce genre. Et ce que nous sommes en train de voir avec le COVID-19 n'est qu'une manifestation des tribulations mondiales. Ce n'est qu'un fait. Mais la Bible nous dit aussi que les élus ont reçu le pouvoir d'abréger ce type de phénomène, ces maladies et ces choses étranges. Donc, tant que nous serons sur la terre, ces malaises-là ne pourront pas s'établir durablement. Par notre attitude, nous allons être capables de les arrêter jusqu'à ce que nous soyons enlevés et que le jugement prenne une autre tournure. Mais d'ici là, le monde doit savoir qu'il existe une catégorie d'hommes et de femmes capables de stopper ces types de phénomènes. Et on les appelle les élus. Et c'est le fait de voir ces fils-là, c'est ce dont il est question en Romains, où la Bible dit que la création entière souffre les douleurs de l'enfantement et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a un moment donné où certains types de croyants vont se révéler. Et c'est cela qu'on appelle donc les fils. C'est ce dont je vous ai parlé les années précédentes dans la dimension de l'épouse et que je reviens encore dans la dimension des élus. Quelqu'un dit avec moi un élu. Alléluia. Et il faut que tu entres dans cette dimension pleinement dans le nom de Jésus. Dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu chapitre 22, verset 14, la Bible nous dit ceci pour que tu comprennes de quoi je parle. La Bible nous dit en Matthieu 22, verset 14, la Bible nous dit, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y a beaucoup d'appelés. La Bible dit, « Nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a appelé. » Donc, tous ceux qui sont venus à Jésus, c'est parce que Dieu les a appelés. Si tu t'es converti, c'est parce que Dieu t'a appelé. Mais après avoir été appelé, après avoir reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a une autre étape par laquelle tu entres dans ce qu'on appelle la dimension des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il faut que tu deviennes ce qu'on appelle un élu. Et ce sont ces personnes-là qui sont les élus qui seront capables de faire abréger ce type de calamité. Donc, le COVID-19 va s'arrêter parce que les élus vont se lever. Le message que je vais partager avec toi participe à la formation des élus. Une des particularités des élus, alléluia, c'est la révélation du rocher, c'est la révélation de Christ, c'est la révélation de l'onction, c'est la révélation de Christ. Une différence, un des éléments qui différencie les sauvés, les appelés des élus, c'est que les appelés, lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne se sont limités qu'à la connaissance de Jésus le Sauveur. Ils n'ont connu que le Jésus qui pouvait leurs besoins, le Jésus qui leur donne le mariage, le Jésus qui va les faire voyager. Et ils se sont cantonnés, ils se sont limités. Ce sont des chrétiens, comme on les appelle souvent, des chrétiens alimentaires. C'est le Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Et il y a une autre catégorie de chrétiens qui ont décidé d'aller plus loin, qui en prenant toujours mon illustration de la pièce d'argent où Jésus-Christ, c'est un tout, c'est Jésus qui est le Christ, avec la pièce qui fait pile ou face. La face, c'est je rencontre le Sauveur. Jésus vient me délivrer de mes péchés. Mais ce Jésus-là, c'est lui qui est le Christ. Et parce qu'il est le Christ, il te conduit dans une autre dimension. Et cette dimension du Christ, c'est elle qu'on appelle l'onction. C'est une catégorie
qui amène des chrétiens à être des chrétiens royaux. La Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Ce sont des gens qui règnent, c'est-à-dire ils ont le pouvoir. Un roi a du pouvoir. La Bible dit que tu es un roi. Comment tu peux être un roi si tu es toujours en train de subir les circonstances, si tu n'as pas de pouvoir? Dieu a fait de nous un peuple de rois. Les élus, ce sont ceux justement qui vont jouir pleinement de la royauté qu'ils ont acquis en recevant Jésus-Christ comme leur sauveur. Alléluia. Ne reste pas à Jésus sauveur. Jésus ne t'a pas donné simplement le ciel. Jésus t'a donné aussi le pouvoir de régner. Jésus ne t'a pas simplement donné le ciel. Il t'a donné aussi l'onction prophétique. Jésus ne t'a pas seulement donné le ciel, il t'a aussi donné l'onction du sacrificateur. Ce sont les trois types d'onctions qu'on retrouve. Le mot Christ, c'est le mot oin. Et les messages que je suis en train de te donner en ce moment sont ces messages-là par lesquels tu rentres dans la révélation du Christ. De quoi suis-je en train de parler? Tout mon message sur les déserts est basé sur la traversée d'Israël dans le désert. Le dernier désert que nous avons vu, c'est le désert numéro 3. Et lorsqu'on est arrivé à ce désert numéro 3, nous étions en train de parler, je parlais de ce Amalek, de la découverte du rocher. Amen. Pendant qu'on était dans ce désert numéro 3, où on avait la pression de la soif, le désert de l'oppression. Et Dieu nous a donné de découvrir le rocher. C'était la découverte du rocher. Le rocher, c'était sa découverte. Amen. Mais découvrir le rocher et puis s'asseoir sur le rocher et puis rester dans le rocher, c'est deux choses différentes. Dans toute l'histoire d'Israël par la suite, Dieu va vouloir à ce que les croyants qui marchaient avec Moïse puissent maintenant connaître le rocher, puissent découvrir le rocher. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que le rocher là c'est le Christ, c'est-à-dire c'est la deuxième dimension, c'est la deuxième face de cette pièce du salut. La dimension du Christ. Je t'en supplie par les compassions de Jésus, il faut que tu rentres dans cette dimension. Quelqu'un va vouloir me dire, mais pasteur, non, je suis déjà élu. Oui, tout appelé est potentiellement élu, mais l'élection se travaille. Alléluia. L'élection se travaille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et le désert numéro 4 est un désert qui vient t'amener dans une autre révélation, à mieux connaître qui est le Christ. De manière littérale, alléluia, un texte biblique qui présente cela. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. On va lire 2 Pierre chapitre 1, 10. Lisons ensemble, il est dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. » Amen. Tu sais que la vocation, c'est la notion d'appel. Donc, il faut affermir ta vocation. On t'a appelé. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. Donc, tu es déjà élu. Mais ton élection, là, il faut l'affermir. Il faut la rendre ferme. Je n'ai pas dit que tu seras élu. Alléluia. Le problème, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus parce qu'il y a des personnes qui se limitent à l'appel, qui se limitent à ça et qui ne travaillent pas à affermir leur élection. L'apôtre Paul, parlant de cet affermissement-là de l'élection, va dire que lui, dans son être, il court pour gagner le Christ. Ce n'est pas une quête extérieure, comme je vous l'ai expliqué, c'est une quête intérieure. Il dit qu'il renonce à tout ce qui était pour lui des gains afin de gagner Christ. Donc mon message, tu peux le prendre encore sous l'angle du Christ. Alléluia. Tu peux le prendre sous différents angles. C'est-à-dire quoi? Entre le moment où la première fois, ils découvrent le rocher qui leur donne de l'eau. Après cela, le rocher va les suivre dans le désert. 1 Corinthiens 10, 4 dit, ils ont vu un rocher et ils l'ont découvert au désert numéro 3. Qui les suivait dans le désert? À un moment donné, en Exode 32, 33, Moïse, d'abord pour se battre contre Amalek, Dieu va le faire asseoir sur la pierre. Plus tard, Moïse veut voir Dieu pour qu'il les conduise jusqu'à Canaan. Dieu va le faire cacher en Exode 33 dans le creux du rocher. Et c'est ce même rocher-là qui intervient constamment. Mais il est clair que Israël et même Moïse n'a pas eu la réelle révélation du rocher. Mais c'est nous, parce que ça ne l'était pas donné. C'est en Jésus-Christ que le voile tombe et que nous avons la réelle révélation du rocher. Alors nous prenons l'histoire de Moïse comme l'ombre des choses à venir afin de mieux nous faire comprendre et d'illustrer ce dont le Seigneur veut nous parler. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, le désert numéro 4 est un désert qui vient travailler ton
élection, c'est-à-dire qui vient te rendre capable de terrasser les esprits comme le vide 19, parce que ce sont seulement les élus qui peuvent abréger l'intervention de ces démons. Ce n'est pas les simples chrétiens appelés, ce n'est pas les gens charnels, ce n'est pas des gens qui sont en train de prier. Lorsqu'ils sont tous leurs sujets de prière, c'est ma maison, mon foyer, mes enfants. Ces gens de chrétiens qui prient comme ça, vous allez devoir votre salut à ceux qui ont renoncé à leur vie pour prier pour vous, à ceux qui ont renoncé à leur vie pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus, à ceux qui ont renoncé. Et si toi tu m'entends, je t'en supplie par les compassions de Christ. Tu te souviens du texte que je viens de lire tantôt? Dieu va venir chercher les élus. Il vient prendre une épouse sans tache ni ride. Alors, écoute ce message. Tous ces signes qui sont en train de s'accomplir sont la preuve que Jésus-Christ est à la porte, que Jésus-Christ va venir bientôt. Dans le passage de Luc 21 que je lisais tantôt, si tu continues la lecture, il est dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que le retour est proche. Il est dit, redressez-vous, levez les yeux, parce que votre délivrance est proche. Le retour de Jésus est proche. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup d'enthousiasme à donner ce message pour préparer l'Église au retour de Jésus. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a amené sur les enseignements sur l'épouse, sur les enseignements sur une intimité vraie avec Dieu. Et je t'en supplie par les compassions de Christ. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Arrête de crier au secours. Oh Dieu, je suis fatigué. Il faut que, je t'en supplie, fais disparaître Covid. Fais disparaître vide. Non. Deviens, rentre dans la dimension de l'élection et tu vas le faire arrêter. Plus il y aura d'élus, plus vite cette situation-là va s'arrêter. Moins il y aura d'élus, plus les maladies de ce genre vont persister. On va prendre un peu plus de temps pour pouvoir les arrêter. Lorsque Moïse, un élu, le modèle de l'élection, Moïse était en train de prier pour Sodome et Gomorre. Sodome était en train d'être jugé par un démon. Sodome était en train d'être jugé par un feu de destruction. Dieu s'apprêtait à frapper Sodome. Mais les prières de Moïse, d'Abraham se sont basées sur quoi? Sur le nombre de justes qu'il allait trouver dans cet environnement. Moïse a commencé, s'il y avait 50 justes, cette affaire était finie, mais il n'y en avait même pas. Donc, et Moïse est arrivé jusqu'à pratiquement 5, et on n'en a même pas trouvé. Abraham est arrivé jusqu'à 5, et on n'en a même pas trouvé. Il suffisait qu'il y ait suffisamment d'élus pour que ce peuple soit sauvé et qu'on évite ce drame, et en espérant que ces personnes se seraient repenties. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Chrétiens, levons-nous. Ne permettons pas à ce que ces ténèbres puissent davantage détruire l'humanité. Il y a encore des vies à sauver. Entre, affermis ton élection. Affermis ton élection. Tu as été appelé, c'est pourquoi tu écoutes mon message. Mais maintenant, travaille à affermir ton élection. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et je t'assure, l'épreuve des longues attentes est une école des élus. Alléluia. L'épreuve des longues attentes est une école des élus. Amen. Tu vas voir, regarde ce que je... Tu vois, le texte qu'on vient de lire tout à l'heure en 2 Pierre chapitre 1 verset 10, où Dieu dit... c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation. Si tu remontes le verset avant, tu vas voir au verset 3, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celui qui nous a appelés, verset 4, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Donc les promesses que Dieu te fait là, ça va te rendre participant de la nature divine. Quand Christ est formé en toi, ça veut dire quoi participer à la nature divine? Ça c'est notre appel. Dieu veut qu'on soit un avec lui. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses entre le moment où nous sommes appelés et des éléments que nous devons travailler. C'est ce qu'il explique. Lesquels vous assurent de sa part des plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant, un, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la tempérance, la patience, la piété, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus.
Alléluia. Donc tu vois, il y a la patience à travailler, il y a la bonté à travailler, il y a ces choses-là qu'on doit voir se manifester. Et le désert des longues attentes va travailler un élément très important du Christ dans ta vie. Alléluia. Et des éléments très importants. Et je t'assure, ce vent qui est en train de souffler sur les nations a une bonne raison. Alléluia. Il va juger les païens, il va juger le monde, mais en même temps, il travaille à épurer l'Église, à nous rendre meilleurs pour la gloire de Dieu. Alléluia. En attendant le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alors, si tu comprends cela, ça nous permet donc de revenir et de donner toute la valeur à ce qu'on appelle le désert de longue attente. Il n'y a aucun croyant, aucun chrétien qui ne vit, qui ne traverse cette situation. Il y a toujours une ou deux promesses de Dieu dans ta vie qui ne s'accomplissent pas immédiatement et qui prennent le temps de s'accomplir. Dieu, au travers de ce temps de longue attente, s'apprête à te révéler quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Entre dans cette dimension-là au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, pour parler de l'histoire de Moïse et d'Israël, on va aller dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, à partir du verset 1. Il est dit, Exode 32, verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Alléluia. Donc, voilà comment se présente la première fois cette épreuve. Moïse, l'homme qui avait la révélation de Dieu, l'homme qui accomplissait par qui Dieu passait, donc, entre guillemets, la représentation divine de Dieu au milieu d'Israël, a tardé à venir. Il a tardé à descendre de la montagne. Malheureusement, lorsqu'il a tardé, les Israéliens ont pris des décisions qu'ils n'auraient pas dû prendre. Alléluia. Moïse était la voix de Dieu au milieu du peuple. Moïse était l'orientation de Dieu. Moïse était celui qui priait et Israël avait à manger. Moïse est celui qui priait et Israël avait à boire. Moïse est celui qui invoquait Dieu et la réponse de Dieu arrivait. Quand les eaux étaient amères, Moïse avait la réponse de Dieu pour transformer ces eaux amères en eau douce. Quand il n'y avait plus d'eau, Moïse avait la réponse de Dieu pour amener l'eau à produire le rocher, pour amener le rocher à produire de l'eau. Lorsque Israël était attaqué par Amalek, Moïse était celui qui savait la stratégie qu'il fallait adopter pour résoudre le problème d'Amalek. Mais cette fois-ci, Moïse n'était pas là. Il a dit qu'il partait pour quelque temps, mais il tardait à descendre. Quand on dit tarder, ça veut dire qu'il y a une forme de retard. Ça veut dire que les attentes qu'ils avaient, ils avaient dit, peut-être que Moïse leur avait dit, je vais arriver dans 2 ou 3 jours. Il a dit, je ne vais pas trop durer. Mais en tout cas, si quelqu'un a dit, j'arrive dans 4 jours, et qu'il arrive exactement dans les 4 jours, même si 4 jours c'est long, on ne peut pas dire qu'il a tardé. Okay? Lorsqu'on parle de tarder, ça veut dire qu'on avait une certaine attente. On s'attendait à ce qu'il arrive un peu plus tôt, mais par rapport à ce qui était supposé. Peut-être qu'il n'a jamais dit à quel moment il va revenir, mais souvent on suppose qu'un miracle va avoir lieu dans tel ou tel moment. Et il se trouve que le miracle tarde. Par rapport à ce qu'on attendait, ça tarde. Quand je me marie, je m'attends à avoir un enfant, peut-être un après le mariage, quelques mois après le mariage, et je m'attends, l'enfant n'arrive pas, je me retrouve donc dans une situation de retard, et les choses tardent à se mettre en place, Pendant ce temps, pendant que les choses tardaient, Moïse était avec Dieu. Donc c'est que Dieu, de manière délibérée, a volontairement fait tarder les choses. Il prenait son temps. Quand on vous raconte ce qui s'est passé, Dieu dit à Moïse, monte, je vais te donner des instructions. Moïse monte sur la montagne. Dieu fait des jours avant de lui dire bonjour. Moïse attend. Dieu prend son temps. Comme s'il était en train de chercher. Quelqu'un vient de se dire, mais il suffit d'un claquement de doigts. Il est Dieu, il est tout puissant. Il peut dire il dit simplement un mot et le problème est réglé. Il suffit qu'il déclenche. Qu'est-ce qu'il veut encore de nous? On est déjà chrétien, on marche déjà avec lui. Nous donner un bébé là, est-ce que c'est compliqué? Ah Dieu! Mais Dieu tarde. Seigneur, tu peux me donner du travail, tu as tout pouvoir, tu peux tout.
voyez, c'est très frustrant lorsqu'on sait qu'on adore un Dieu qui est si puissant, un Dieu qui est si grand, un Dieu qui peut dire un mot et tout va changer. Lorsqu'on attend un si grand Dieu et que les choses tardent à s'accomplir, ça devient très, très, très frustrant. Et la sensation, le sentiment de frustration qui gagne les cœurs, qui atteint les âmes, est susceptible de nous amener à faire de mauvais choix. Un homme de Dieu appelé Abraham a dû faire de mauvais choix dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de son bébé. Il est parti avec Agar. Il faut que dans le nom de Jésus, tu n'ailles pas vers Agar au nom de Jésus. Alléluia. Rappelle-toi ce que je t'ai dit en introduisant. Mon message vise à, je n'ai pas dit à abréger, mais à ce que Dieu a dit. Tu vois maintenant l'accomplissement. Je ne suis pas venu t'expliquer pourquoi ça va encore durer. Quand je viens parler, c'est parce que le temps est arrivé et que tu es sur le point maintenant d'entrer dans la réalisation de ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Mais il est quand même nécessaire et indispensable de savoir, est-ce que Dieu est un bourreau? Est-ce que Dieu nous fait tarder juste pour le plaisir de nous voir souffrir? Est-ce que Dieu nous fait attendre juste pour, et il est content? Voilà, je suis content, tu attends. Yes, 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 yes. Non. Il dit, si nous les hommes qui savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous ne pouvons pas leur donner des serpents, à plus forte raison, lui, Dieu, s'il, tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il décide de te donner, même le fait qu'il ne te donne pas vite le bébé que tu attends, c'est à dessein. Même le fait que certaines délivrances, certaines guérisons tardent à s'accomplir, cela a un but. Alléluia. Et je vais te montrer que dans le fait d'être tardé, il y a des paramètres qui dépendent de toi. Alléluia. Il y a des actions qui dépendent de toi. Il y a une part des choses qui dépendent de Dieu lui-même, qu'on appelle le temps de la maturation, le temps où Dieu laisse mûrir les choses. Et il y a d'autres paramètres qui sont de notre fait. C'est-à-dire, certaines promesses tardent à s'accomplir de notre fait. Alléluia. Et c'est par là que je vais commencer, par les choses qui dépendent de toi. Et je vais vous dire quelque chose. Ces éléments qui doivent être laissés vont, pour la plupart qui sont en train de m'écouter, simplement parce que vous allez décider de le faire. Ça va affermir votre élection dans le Seigneur et ça va rendre votre prière beaucoup plus puissante pour faire reculer cet esprit de vide 19. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Alléluia! Alors, mon sous-thème d'aujourd'hui, que je commence aujourd'hui et que par la grâce de Dieu, je finirai sûrement le week-end prochain, dimanche prochain. Ça fait le troisième sous-thème, hein, je sais pas si tu comprends. Premier grand thème, c'est la série. 11 victoires pour 10 types de défis. Dans les 11 victoires, je suis maintenant à la victoire numéro 4. Alléluia. Et celle-là, on va l'intituler « Vaincre l'épreuve des longues attentes et connaître les visitations divines ». Ça, c'est la numéro 4. Maintenant, dimanche après dimanche, je vais toucher des points qui sont les attitudes que nous devons développer pour déployer le souvenir de Dieu. Il faut que Dieu se souvienne de toi et qu'il agisse maintenant. Amen. Maintenant, ce caractère-là que tu vas développer est celui-là qui t'a... Ce caractère que tu vas développer t'affermisse en Christ. C'est ça que je te dis. Alléluia. Pendant que tu travailles à développer les attitudes qui déploient le souvenir de Dieu, c'est comme si Christ mûrit en toi. Donc, Dieu se sert des prétextes de longue attente pour développer quelque chose dans ta vie. Dieu se sert du temps qu'il tarde pour te donner ton bébé, pour te donner ton mariage. Dieu va se servir de cela. Ce n'est pas Dieu qui bloque ton mariage. Ce n'est pas Dieu qui bloque. Le plus souvent, ce n'est pas Dieu qui bloque. Mais il se sert de temps pour réaliser et pour accomplir certains desseins dans ta vie. Alléluia. Et je vous assure, même cette situation où la plupart des hommes sur la terre aujourd'hui, on dit à près de 2 milliards d'hommes sur la terre qui sont confinés en ce moment. C'est impressionnant. Quelle est la leçon que Dieu veut que nous puissions tirer pendant que nous sommes confinés? Alléluia. Il y a une série de leçons qu'on va visiter, à peu près 4, qui vont nous donner de parcourir les épreuves et de transformer ce désert-là en souvenir de Dieu, en visitation divine. Alléluia. Quand tu vas voir la victoire, quand tu vas voir cette victoire, tu auras souvent de grandes révélations de Dieu. C'est ce qu'on appelle les visitations divines. Dieu va souvent t'apparaître. Il va venir te voir. Quand tu résous l'équation dont nous allons parler, tu auras souvent des visitations. C'est le genre de croyant, lorsqu'il prie, il ne tarde pas à avoir des visions. Dieu vient, il leur parle, il dit voilà comment tu vas traiter le dossier, voilà ce que tu vas faire, voilà comment tu vas faire ceci, voilà comment tu vas faire cela. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là que tu es sur le point d'y arriver.
dans cette difficulté qui te fait attendre longtemps le mariage, attendre longtemps le bébé, attendre longtemps le voyage, attendre longtemps quelque chose que Dieu t'a promis. Pendant que tu attends, Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, la première des choses à faire, donc, qui est notre thème d'aujourd'hui, qui est notre sous-thème, sous-sous-thème d'aujourd'hui, voilà, sous-sous-thème d'aujourd'hui, je te dis ceci, abandonne les bonnes habitudes pour les meilleures. Alléluia. Abandonne les bonnes habitudes pour les meilleures. Dis à un voisin, abandonne les bonnes habitudes pour les meilleures. Alléluia. Il faut que tu abandonnes les bonnes habitudes. Alors, lis le thème de ce bonheur, ça peut un peu choquer. Hein? Une bonne habitude est une chose qu'on a tendance à vouloir conserver. Une bonne habitude est une chose qu'on a tendance à vouloir garder. Et mes amis, c'est ce qui va faire une différence entre ceux qui vont affermir, affermir leur élection. Alléluia. Rappelle-toi le texte qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Il y a affermir l'appel, qu'on appelle donc affermir la vocation, et il y a affermir l'élection. Affermir son appel, c'est les fruits de la conversion, la sainteté, la crainte de Dieu, la haine du péché. Ça vraiment, tu affermis ton salut. Alléluia. Tu manifestes les fruits. Jésus pouvait dire aux gens, produisez du fruit digne de la repentance. Amen. Maintenant, l'élection, c'est autre chose. Il y a d'autres vertus à affermir. Et ce qui fait que c'est difficile pour beaucoup de chrétiens de comprendre et d'entrer dans la révélation du rocher, c'est que ces choses-là qu'ils doivent abandonner sont de bonnes choses. Les choses qui les ont faites sont des bonnes choses. C'est facile pour nous de comprendre qu'on doit abandonner l'impudicité, qu'on doit abandonner le mensonge, qu'on doit abandonner le vol. C'est de cela que Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous sauver du péché. Mais maintenant, la révélation du Christ, ce n'est pas abandonner l'impudicité, ce n'est pas abandonner le vol, ce n'est pas abandonner la tricherie. Il y a d'autres choses dans notre vie qui sont considérées comme bonnes, qu'il faut abandonner. Et tu sais, ce que Dieu me disait pendant que j'abordais le sujet, pendant qu'il me parlait, il me dit, tu vois, pendant que les gens sont chez eux confinés, je veux qu'ils travaillent ces choses-là. Dis-leur, il faut qu'ils soient ces élus-là, qu'il faut arrêter le vide. Mais ils n'ont qu'à travailler ce dont je suis en train de parler. Alléluia. Ta prière est rendue efficace parce que tu as affermi ton élection. Tu es déjà élu, mais il faut affermir ton élection. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, si tu veux comparer ça avec les élus de la terre, tu dis, mais on ne comprend pas. Amen. Ça veut dire, quand on dit affirmer ton élection, là, tu vois, on élit un président, mais il y a des présidents qui n'affirment pas leur élection. C'est-à-dire, après les avoir élus, on regrette. On dit, ah, on aurait dû voter un tel. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a élu, mais on regrette de l'avoir élu parce qu'il n'a pas affirmé. Tu as été élu, mais n'amène pas Dieu à regretter de t'avoir élu. Quand les gens, la population commence à regretter de t'avoir élu, ils commencent à réfléchir à comment tu vas partir. Tu comprends, non? Il commence à réfléchir à comment tu vas partir et tu vas commencer à avoir des résistances inutiles au sein de la population. Mais lorsque les gens sont fiers d'avoir fait le bon choix, d'avoir élu quelqu'un, voilà, et la personne doit dire, vous m'avez voté pour ceci, j'ai réalisé cela. Tout ça, ça a affermi son élection. Alléluia. Il a dit, je vous ai promis pendant la campagne, je vais faire des ponts, je vais faire des routes, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand il les réalise, même si tu n'avais pas voté, tu te dis non, c'est lui qu'on aurait dû choisir. C'est ce qu'on appelle affermir l'élection. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça, c'est pour parler un peu comme les hommes. Mais dans le monde spirituel, Dieu t'a choisi pour que tu sois un saint, pour que tu ressembles à Christ, pour que tu sois l'image de Christ. Donc pour nous, affermir notre élection, c'est travailler davantage à dire que Dieu ne s'est pas trompé, alléluia, qui nous a sauvés du péché et que nous allons davantage ressembler au Christ. Et il se trouve que plus nous ressemblons à Christ, plus l'onction est agissante en nous, plus les miracles se produisent, plus nous entrons dans des capacités surnaturelles. Que cela soit ton miracle, ta dimension au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour pouvoir y arriver, il y a une chose importante à faire. Il faut savoir abandonner de bonnes habitudes pour pouvoir avoir les meilleurs. Alléluia. Alors, pour comprendre ce dont je suis en train de parler, on va s'appuyer sur un homme de Dieu. Amen. Je vais commencer son histoire aujourd'hui. Je finirai ce point le dimanche prochain. On va partir d'un homme de Dieu qui a reçu un appel. Alléluia. La Bible nous le cite comme étant le modèle de notre foi, le père de la foi. En prenant Abraham comme étant le père de la foi, Dieu veut que nous regardions comment
il a géré aussi les différentes épreuves. Donc, l'histoire de Moïse dans le désert avec Israël et l'histoire d'Abraham dans l'attente de l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites sont une véritable illustration et un modèle pour nous en ce qui concerne la croissance de notre foi dans le Seigneur. Alléluia. La différence que nous avons maintenant par rapport à ceux de l'ancienne alliance et de nous, c'est que maintenant tout se trouve en nous. Amen. Pour ces personnes-là, Christ était extérieur. Jésus, c'était quelque chose qu'ils voulaient toucher. Et ils ne l'ont pas touché. Mais maintenant, tout a été accompli et tout se trouve en nous. Nous avons juste qu'à aller chercher la promesse et à la manifester pleinement dans le nom de Jésus pour que le Christ en nous soit affermi, soit révélé. C'est ce dont il s'agit. Amen. Alors, dans le livre de Genèse chapitre 11, à partir du verset 31, du verset 31-32 et Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Voilà ce que la Bible écrit. Il est dit, « Térakh prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Aran, ils y habitèrent. La durée de la vie de Térakh fut de 205 ans et Térakh mourut à Aran ou bien à Charan, ça dépend des versions. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un là où il est, il acclame Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, on voit Dieu qui choisit Abraham afin, la dernière partie du verset qu'on a lu, Dieu choisit Abraham pour faire de lui une source de bénédiction. Dieu veut l'utiliser pour qu'être une bénédiction pour la terre. Et la Bible dit que Abraham est notre modèle de foi, c'est le père de la foi. Dieu t'a choisi pour que tu sois une bénédiction pour la terre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et maintenant, plus que jamais, l'humanité a besoin de toi et de moi pour être une bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Mais le verset tel que présenté nous dit que Abraham, entre le moment où Dieu l'a appelé et le moment où il allait devenir une bénédiction, Dieu nous révèle un process. Amen. Il nous révèle certaines étapes. Il nous montre certaines choses que Abraham doit faire au préalable. Alléluia. Des choses qu'il doit travailler dans sa vie. Et Abraham va prendre son temps pour travailler de manière efficace. Alléluia. Au verset 31, il est dit que Térakh prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il vint jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Alléluia. Alors, c'est les termes qui sont utilisés ici nous intéressent par rapport au désert des longues attentes. Ça m'intéresse par rapport au désert des longues attentes parce que le nom du papa d'Abraham est très intéressant. Le nom Térakh, qui est donc un mot donc de la culture hébraïque aussi, signifie retard. Le nom Térakh signifie retard. Dis avec moi retard. Voilà, nous sommes dans un désert de longue attente. De longue attente. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner des enfants et je vais faire de toi une source de bénédiction. Alors quand on dit Térakh a pris Abraham, il faut savoir que ça veut dire que le retard a pris Abraham. Alléluia. Il a pris Abraham, il a pris sa femme, il a pris Lot. Le retard les a amenés. Le retard est parti avec eux. Et le texte qu'on a lu, tu peux le voir à l'écran, la Bible dit que Térakh a pris Abraham, sa femme Sarah et Lot pour les amener à Canaan. Et qu'est-ce que c'est Canaan? Qui sait ce que c'est que Canaan? Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est la promesse. Canaan, c'est ce que Dieu dit va faire dans ta vie. Canaan, c'est ce que Dieu annonce qu'il va faire avec toi. C'est ça la promesse. Quand Dieu te dit, quand quelqu'un a une promesse, c'est pourquoi il dit, attends la promesse. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. On appelle encore Canaan la terre
promise. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il a dit, je te ferai ceci, je ferai de toi un homme de Dieu, une servante de Dieu, je te donnerai des enfants, tes enfants seront une source de bénédiction. Il a dit, tu parcourras les nations, tu seras une source. Dieu t'a promis des choses. Chacun d'entre nous ici transporte une promesse. Une promesse. Il a promis de bénir ta maison. Il a promis de bénir tes enfants. Tu as des versets que tu as récoltés qui t'annoncent de très belles et de très bonnes choses. Car les promesses que Dieu a pour nous sont des promesses de bonheur et non des promesses de malheur. Donc Dieu dit à Abraham, je veux t'envoyer à Canaan, la terre promise, le bonheur où tu vas avoir des enfants. Et mais je n'ai pas tout le monde te donner des enfants. Je ferai de toi là-bas une source de bénédiction. Pas seulement pour toi, mais pour toute la terre. Oh, si vous êtes dans cette église, si vous m'écoutez, c'est que vous comprenez le sens de mon message. Je dis, la Bible dit que les brebis reconnaissent la voix du berger. Si vous êtes dans cette maison, c'est que vous savez que vous êtes né pour être une source de bénédiction. On ne veut pas dans cette église simplement pour être béni, voyager, manger. Tous les fidèles de cette église savent que Pasteur Sanogo, il a un message de nous former pour que nous aussi on devienne source de bénédiction. Nous sommes dans les rues, nous sommes dans les villages, partageant l'amour de Jésus. Ça, c'est notre promesse, c'est notre appel. Et je vous ai dit, votre famille, votre maison, toute chose, vous qui êtes ici, vous qui m'écoutez, vous êtes destinés au service de Dieu. Vous êtes destinés à être une source de bénédiction pour vos parents, votre village, votre nation et même les nations entières. C'est pourquoi vous êtes dans cette école de formation. Mais pour beaucoup d'entre vous, les choses tardent à s'accomplir. Ils n'arrivent même pas à pouvoir avoir des enfants. Et même entrer dans le mariage, alors ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu nous révèle avec l'histoire d'Abraham, l'histoire de la foi. On appelle Abraham le père de la foi parce que lorsqu'on a la foi en Dieu, il y a des phénomènes qu'on traverse et on ignore pourquoi. Et l'histoire d'Abraham est pleine de sens. La Bible dit que il est parti avec Térak. Or, il se trouve que le nom Térak signifie retard. Est-ce que vous me suivez? Quand on parle de retard, ça veut dire que on parle d'une chose qui tarde à s'accomplir. Quand on parle de retard, donc Dieu dit à Abraham, voilà la promesse. Il dit à ma fille, tu vas te marier, tu vas avoir 4 enfants. Et toi, tu quittes la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est le symbole du péché. C'est le monde que tu as quitté. C'est Satan que tu as quitté. Et tu t'en vas vers Canaan. Alléluia. Mais tu transportes avec toi le retard. Le retard. Alléluia. On va relire encore. Il est dit, on va utiliser le nom. Vous savez, le nom Lot signifie voile. Le nom Lot signifie voile. Alors, on reprend le verset 31 de Genèse 11. Il est dit, retard, Térak c'est retard, donc on traduit le nom. Retard prit Abraham, son fils, et Lot et voile, fils de Haran. Maintenant, Haran c'est deux noms. Haran ou Charan, c'est la même chose. C'est le nom du frère d'Abraham et c'est aussi le nom de la ville où ils se sont arrêtés. Et ce nom-là signifie petit fruit. Donc, retard a pris Abraham, le père de la foi. retard a pris aussi un voile qui est fils de Charan. Charan signifie petit, qui est aussi peu de fruits, petit fruit. Donc, le voile, retard prend la promesse, Abraham, le fils de la promesse, mais retard amène aussi un voile qui est un fils des fruits qui ne sont pas beaucoup, de petits fruits. Et il est dit, fils de Saraï, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Mais si tu remontes au verset 30, le verset 30 dit, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Donc, et Saraï était la femme d'Abraham, ça veut dire que le couple d'Abraham ne donnait pas de fruits. Le couple d'Abraham était stérile. Le couple d'Abraham ne produisait pas ce pourquoi ils étaient nés. Le couple d'Abraham était stérile. Et le couple d'Abraham a été pris par Térak qu'on appelle le retard. Donc, le retard retardait la capacité d'enfanter. Le retard donnait à la vie de ce couple-là d'avoir des petits fruits. D'avoir des petits fruits. Et toutes ces choses-là, on fait un package. On fait un package. Et la Bible dit, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, qu'on appelle la Mésopotamie, pour aller au pays de Canaan, c'est-à-dire à la terre promise. Donc, retard n'est pas resté en Mésopotamie, qui est le symbole du péché, qui est le symbole du monde. Alléluia. Alors, de quoi je suis en train de parler? Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 24, versets 2 à 3, voilà ce que le prophète, la Bible dit. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères
Josué 24, verset 2 à 3. On peut l'avoir à l'écran rapidement. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Alléluia. Donc tu vois, donc Térak, Abraham, quand ils étaient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, là où ils ont quitté, la Bible dit qu'ils adoraient d'autres dieux. Donc ils étaient des païens. Ils étaient des idolâtres. Quand Dieu leur dit, quittez cet endroit pour aller à Canaan, c'est-à-dire arrêtez d'adorer les fétiches, arrêtez d'adorer les idoles, changez, venez suivre Dieu. Alléluia. Maintenant, je te lis encore un autre passage, lis bien. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 à 4, il est dit, Étienne répondit, vos frères et pères, Étienne répondit, vous, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham. Dieu a apparu à qui? À notre père Abraham. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il était en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est l'endroit qu'on appelle Ur en Chaldée. Il est dit, avant qu'ils habitent Haran ou bien Charan. Il lui dit, sors de ton pays, de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays avec les Chaldéens, etc., et habita à Charan. Et de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Alléluia. Est-ce que tu remarques au verset, dans ce passage de Actes, on nous a dit que Dieu ne s'est pas révélé à papa Térak. Dieu s'est révélé à Abraham. Lorsqu'ils étaient en Mésopotamie, où ils adoraient les fétiches, les idoles, Dieu a apparu à Abraham. C'est ce qu'on appelle son appel. Ce n'est pas Térak. Dans Genèse chapitre 11, il est dit « Térak a pris Abraham ». Mais en fait, Térak est parti avec son fils, mais ce n'est pas Térak qui a reçu la révélation. C'est certainement donc Abraham. Dieu lui a parlé et il en a parlé à son père. Et c'est son père, comme ils habitaient dans la maison de son père dit « Ah, si Dieu te dit d'aller à Canaan, nous tous, on va aller avec toi. Et comme tu habites chez moi, c'est moi le chef de famille, je te prends, viens on s'en va là-bas, je prends ta soeur, et ta femme, je prends Lot, le voile, je prends les petits fruits, la stérilité, on prend tout ce package-là et nous tous, on va quitter l'idolâtrie. Qui t'a parlé? L'Éternel m'a parlé. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit d'abandonner ces choses. C'est ce qu'on appelle la conversion, c'est ce qu'on appelle l'appel. Maintenant, on s'en va dans l'élection. Est-ce que vous me suivez? Mais maintenant, Abraham a reçu l'appel. Dieu lui a parlé selon Actes chapitre 7. Et Abraham part, mais il ne part pas seul. Il part avec Térak, qui signifie comment? Retard. Ils arrivent. On a bien lu le texte, non? Que Dieu leur n'a pas dit d'aller à Charan. Dieu leur a dit quitter, aller à Canaan, la terre promise. Mais la Bible dit, en Genèse chapitre 11, verset 31, que lorsqu'ils sont arrivés à Charan, ils n'ont pas fait une pause. Ils ont habité. Térak prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aran, en Chaldée pour le pays. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Est-ce que c'est ce qu'on leur avait dit? Donc, ils sont partis habiter dans un endroit qui n'était pas l'appel de Dieu. Et là-bas, malheureusement ou bien heureusement, la Bible dit que même là-bas, ils vont prospérer. Alléluia. Hein, dans le passage, je le lirai plus tard la prochaine fois. Ils vont même avoir. Mais il ne va pas rentrer dans sa destinée. Sa femme demeure stérile. La promesse n'est pas réalisée. C'est une situation qui n'est pas bonne, qui est bien. Pardon, c'est une situation qui est bien, mais qui n'est pas exactement ce que Dieu a voulu. Et ils vont rester là-bas longtemps. On ne sait pas à quel âge Abraham et son père sont partis. Mais il est dit que son père a vécu longtemps. Il est mort à quel âge là? Amen. Quand on lit l'histoire, il est dit, Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Donc, quand Térak, son papa avait 70 ans, Abraham avait 0 ans. Donc, il est mort à quel âge? À 205 ans. Ça veut dire Abraham avait quel âge?
Ça fait 205. Amen. Alléluia. Bon, selon les textes, il est fort probable que Abraham l'ait laissé à un moment donné. Alléluia. Mais c'est pour dire le grand moment, le temps long où il a passé avec son père, où sa vie ne portait pas du fruit. Et Abraham a dû peut-être arriver à Charan, peut-être qu'il avait 45 ans, 50 ans. Son père avait plus de 100 et quelques, 130 ans, 100 et quelques années. Ils sont arrivés à ce moment là-bas. Et Abraham est resté longtemps jusqu'à la mort de son père. Il est resté longtemps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Terak était en action, le retard. La promesse ne s'est pas accomplie parce qu'il y avait une chose qui était dans la vie d'Abraham. C'était quoi? C'était son père. C'était quoi? C'était le retard. Le retard était dans sa vie. Et à cause du retard, il n'est pas arrivé à Canaan. Il n'a pas vu la promesse se réaliser. Elle a tardé à s'accomplir. La première chose qui font que ta promesse tarde à s'accomplir, c'est qu'il y a un terak dans ta vie. Terak, ce n'est pas une chose qui est négative. Terak, c'est ton père. Terak a aussi choisi d'abandonner les idoles et de suivre Dieu avec toi. Terak s'est converti. Mais terak, c'est une chose qui est restée dans ta vie, qui vient avec toi à l'église, une chose qui n'est pas de l'idolâtrie, une chose qui n'est pas de l'impudicité, une chose qui n'est pas le mensonge, une chose qui n'est pas les péchés les plus évidents. Tu as quitté l'idolâtrie, tu as quitté la Mésopotamie, tu t'en vas vers la terre promise, mais il y a une chose que Dieu appelle dans ta vie, ton terak. Et tant que cette chose-là sera dans ta vie, et tu vois, terak ne meurt pas vite, terak vit très 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 longtemps. Dieu nous donne ces chiffres et ces taxes pour qu'on comprenne que aussi longtemps que terak demeurera dans ta vie, tu auras des petits fruits. Ta femme va rester stérile. Ton couple ne va pas aller de l'avant. Et tu auras l'impression que Dieu tarde. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction. Mais il lui a dit, il lui avait donné tous les conseils dès le début. Il lui a dit, quitte ton pays. Il a dit, quitte ta famille. Quitte ta patrie. Abraham a quitté son pays, mais il n'a pas quitté sa patrie. Il n'a pas quitté sa famille. Il a dit, le plus important, c'est d'arriver à Canaan. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans le détail. Ce que je vais te dire, Terak, c'est une bonne chose. Terak, c'est ton père. On dit que Terak t'a pris, ça veut dire que c'est quelque chose qui t'a formé. C'est quelque chose qui t'a bâti. C'est quelque chose de qui tu détiens un héritage. Terak n'est pas mon père parce que Terak se convertit. Parce que Terak accepte de ne plus adorer les fétiches. Terak accepte de ne plus adorer les idoles. Mais Terak est une chose que tu aurais dû aussi abandonner, qui vient avec toi vers l'héritage, qui s'en va avec toi à Canaan. Mais tant que Terak est dans ta vie, tu vas t'arrêter à Charan. Ta vie ne va produire que des petits fruits. Tu auras le travail que tu n'aurais pas dû avoir. Tu es dans un travail, mais le vrai travail tarde à s'accomplir. Tu as un mariage, mais la dimension du mariage tarde à se réaliser. Tu vas dans un pays, Dieu t'a dit, je t'envoie en Occident pour que tu fasses mon œuvre. Tu arrives là-bas, mais les choses tardent à se mettre en place. La promesse ne se réalise pas. Je t'assure, ma soeur, mon frère, il est fort probable qu'il y ait un terak dans ta vie. Qu'il y ait un terak dans ta vie. Terak, c'est se cacher. Terak, c'est se confondre avec la voix de Dieu. Terak, c'est ressembler à Dieu. Mais terak va avec toi à Canaan, sauf qu'il ne te l'est jamais arrivé à Canaan. Terak vient habiter avec toi à Charan. Il y a une différence entre Charan et Canaan. Tant que tu seras à Charan, Charan qui signifie petit fruit, ta vie portera des petits fruits. Ta vie portera des petits fruits. Et le nom Terak signifie simplement retard. Dimanche prochain, je te parlerai des éléments qui créent ce retard-là dans ta vie. Je te parlerai des éléments que tu dois abandonner. Terak est une très bonne chose, mais tu dois être capable de l'abandonner pour choisir le meilleur. Pendant cette période de confinement et de blocage, je vous assure, Dieu veut que vous mettiez de l'ordre dans votre vie. Dieu veut que tu prennes ce temps-là pour t'asseoir. Parce qu'on a besoin de s'asseoir et de réfléchir à ce que Dieu appelle les terak. Et tu vois, il y a des choses que tu dois déplacer. Dieu permet ce moment, ça donne les causes aux hommes et aux femmes de rester un peu plus à la maison, de rester avec les choses qui peuvent être essentielles. Si tu n'es pas actif au travail, quel autre temps as-tu? Prie Dieu. Cherche Dieu. Tu es avec les gens qui te sont proches. Parce que tu peux pas être dans la maison d'autrui. Regardez ce démon-là qui est venu frapper la terre. Lui, il arrive, il amène les gens à rester dans leur maison. Il ne veut pas qu'on sorte, qu'on se promène dans la ville. Est-ce qu'il n'y a pas un plan derrière? On dit on va aller au travail, on dit non. On dit on veut conduire voiture, on dit non. À quoi tu veux ici? On dit on veut sortir d'Abidjan, on dit non. Je vais aller au village, on dit tu ne vas pas au village. Je vais aller enterrer, il y a un papa, il est venu dire il va l'enterrer quelqu'un. Dès qu'il a dit on va enterrer, moi je lui ai dit, il dit ah papa, vraiment. Est-ce qu'il ne faut pas bloquer la ville? Je n'ai même pas fini de parler. Décret, c'est sorti, arrêté. Plus personne ne sort d'Abidjan.
Donc je vais aller enterrer quelqu'un. Non. Reste calme. Qu'est-ce qui tarde à se mettre en place? Qu'est-ce qui tarde? Quand les esprits des ténèbres sortent, c'est pour apporter un jugement. Dieu vient juger les choses. Il va juger chez les païens, mais il va affermir les élus, afin que leur affermissement puisse traiter avec les ténèbres. Prends ce temps pour savoir les téracs que tu es en train de transporter qui font que, avant le confinement, tu n'étais pas encore entré dans tes promesses. Bien avant le confinement, il y a tant de choses qui tardent à se mettre en place dans ta vie. Je t'en prie par les compassions de Christ, dimanche prochain tu comprendras les choses que tu dois abandonner. Et parmi elles, je t'assure, il y a de bonnes habitudes que tu vas laisser pour avoir, pour adopter les meilleures. Terak, c'est une bonne habitude, mais qui nous empêche d'entrer dans la promesse. Mésopotamie, c'est tout ce qui est péché que tu as déjà laissé. C'est ce qui fait ton appel. Mais l'élection ne se traite pas avec le péché. L'élection se travaille avec des très bonnes habitudes qu'il faut laisser. Pour les laisser, pourquoi? Pour faire les meilleurs. Il y a des manières de te comporter, des manières d'agir que tu vas devoir laisser pour adopter la meilleure façon d'agir et non la bonne façon d'agir. Que Dieu te bénisse abondamment. Le meilleur est pour toi. Dieu va te donner le meilleur. Si la promesse tarde à s'accomplir, est-ce qu'il n'y a pas un terac qui te met en retard? Est-ce qu'il n'y a pas un terac? Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors là, sur ce premier point, nous allons prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prier avec moi, tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, avant que le pasteur ne touche au point dimanche prochain, je t'en supplie par les compassions de Christ, révèle-moi les terac de ma vie, révèle-moi ces bonnes habitudes, tu vois. Faut pas aller chercher quand dans le Sitirac, va pas chercher les péchés. Va pas chercher, Seigneur, est-ce que je mens, est-ce que je vole? Si ces choses-là sont dans ta vie, il faut te repentir. Mais quand on parle de Terak, c'est dans mes choses que je fais tous les jours là, Jésus, dans ma manière, mes bonnes manières. Est-ce qu'il y en a qui sont des bonnes manières terakiennes? Est-ce que j'ai des bonnes manières qui m'empêchent d'aller de l'avant? Est-ce que j'ai quelque chose que naturellement j'aurais dû honorer? Oui, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Mais je disais que tu ne peux pas jouir du bon mariage si tu ne quittes pas ton père et ta mère. Ton papa et ta maman, c'est une très bonne chose. Sois un point de départ pour te conduire vers ta destinée. Mais si tu ne sais pas quitter tes parents, tu ne peux pas vivre heureux ton foyer. Ce n'est pas possible. Il y a des bonnes choses qu'il faut laisser pour aller trouver le meilleur. Et Terak est une bonne chose. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Je ne parle pas forcément de ton père et de ta mère, mais de beaucoup d'autres choses qui sont dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu met le doigt là-dessus. Tu vas prier pour dire « Père, tu permets cette période où je suis isolé, je suis seul à la maison, mais je sais que tu vois pour moi le meilleur. Tu veux que je puisse entrer dans quelque chose d'extraordinaire. Cette épreuve ne vient pas pour me tuer. Ce confinement ne vient pas pour ma mort. Non, je ne mourrai pas, je ne peux pas mourir. Je n'ai pas encore accompli ma destinée. Je suis vivant, je vivrai. Mais Seigneur, tu m'as dit qu'au début de ma conversion, tu m'as fait des promesses. Tu m'as dit des choses. Mais je vois que ces choses-là tardent à s'accomplir. Et je ne veux pas faire comme les Israéliens pour aller fabriquer un veau d'or. Non, je veux entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour moi. Révèle-moi qu'est-ce qui est terac dans ma vie. Révèle-moi le terac de ma vie. Priez le Seigneur avec moi. Parle à Jésus. Brenda soro baralake, rianda baba shekata rianda brada soro baralaba, raedes glorianda brada soro baralake. Brenda brada soro barala glorianda brada soro baralabe, raedes eterida brada soro baralake, rianda brada soro barala glorianda ma. Permets le doigt sur nos bonnes habitudes, nos bonnes habitudes. Que tu veux voir changer, ces bonnes habitudes qui nous mettent en retard, qui nous empêchent de voir les meilleurs, qui nous empêchent de voir les meilleures habitudes, qui nous empêchent de voir ce qui est essentiel. Révèle-nous les terracs qui nous amènent à porter des petits fruits et qui ne permettent pas que nous puissions réaliser les grands fruits de notre vie. Père, merci pour ta grâce, que ta parole porte du fruit dans nos vies, au nom puissant de Jésus, et quelqu'un donne un bon Amen. Si tu suis ce message, tu comprends que la première étape, c'est de répondre oui à l'appel de Dieu. Abraham a répondu oui. Ça veut dire, pour nous aujourd'hui, transposés dans le Nouveau Testament en Christ, Abraham a répondu oui à l'appel de la conversion.
Jésus te parle aussi. Avant de toucher même le terrain qu'a laissé, qui est la bonne, les bonnes habitudes pour aller, qu'on va laisser pour aller prendre les meilleures habitudes, alléluia, avant d'arriver là, il faut d'abord se donner à Christ. Il faut d'abord dire oui à son appel. Il faut d'abord dire oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, si tu es là et que tu n'as pas encore dit oui à l'appel de Jésus qui t'amène à quitter le vol, l'impudicité, le mensonge, à quitter le péché pour suivre le Christ, si tu n'as pas encore dit oui, c'est maintenant l'occasion qui t'est donnée de dire oui. Alors, tu vas répéter cette prière après moi. Dis avec moi, « Oh Dieu, j'ai entendu ton appel et je ne veux pas rester indifférent. Seigneur, je vais dire oui à ton appel et je veux, à cause de ta grâce, abandonner les mauvaises œuvres, abandonner le péché, abandonner ma vie passée et te suivre sur le chemin. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi de mon mal, sauve-moi du péché, délivre-moi Seigneur Jésus, je veux te suivre sur le chemin, je veux marcher avec toi, je veux marcher avec toi, je veux te connaître Jésus. Merci Seigneur pour ton salut, au nom de Jésus, amen. Amen, que Dieu vous bénisse abondamment, alléluia. Donc c'était le début donc de notre série sur l'introduction sur le désert numéro 4, qu'on appelle le désert des longues attentes. Comment abréger donc les longues attentes? La première des clés, abandonner les bonnes habitudes pour rechercher les meilleures habitudes. Alléluia. Partie 1. La partie 2, des bonnes habitudes pour les meilleures, nous la ferons dimanche prochain. Que Dieu soit avec toi, qui te bénisse abondamment. Amen. Alors, j'informe que pendant le temps de situation, on ne sait pas exactement, je sais que ça va s'abréger assez rapidement, mais d'ici là, si le week-end prochain nous sommes encore dans cette configuration, les cultes du samedi, je vais les destiner à la prière, combat spirituel, prière pour les malades. Et le culte du dimanche, je donnerai le message. Ce qui donc vous amène, pendant ces bons moments de confinement, de prendre le temps d'écouter deux messages tous les week-ends. Le culte du samedi pour les prières de guérison et les prières de combat spirituel. Et le culte de dimanche pour la série, notre enseignement progressif, c'est-à-dire 11 victoires pour 10 types de défis. Et là, nous avons commencé donc le défi numéro 4, le défi des longues attentes. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous voulons maintenant rendre grâce à Dieu pour la parole du Seigneur. C'est une bonne habitude dans notre église, dans cette maison, de dire merci après avoir mangé la parole de Dieu, d'être reconnaissant au Seigneur par une offrande d'action de grâce. Alléluia. Et cette offrande d'action de grâce permet aux uns aux autres de donner pour les projets de construction. Amen. De donner pour la construction ou d'honorer des vœux. C'est l'occasion pour vous de faire cette offrande-là. Alors, tu vas prendre ton enveloppe, si tu as une enveloppe, si tu n'as pas les moyens électroniques de faire ton don, tu vas prendre une enveloppe qui sera dédiée à Dieu. Tu vas mettre à l'intérieur ton offrande. Alléluia. Tu vas mettre à l'intérieur ton offrande pour la construction, une dîme en tout cas, ou un vœu que tu honores. Tu vas l'écrire là-dessus. Et le moyen donc le plus simple de faire parvenir ton offrande, c'est de suivre les indications par transfert bancaire au travers des informations bancaires, des RIB et aussi par mobile money. Tout cela est possible. Les numéros vous sont communiqués sur l'écran. Vous pouvez donner par ces moyens-là. Amen. Le culte est un véritable culte. Ne te retiens pas, ne dis pas non parce que je suis à la maison. Quand je vais reprendre les cultes, je vais donner. Non, tu as pris la bonne habitude. Ce n'est pas le vide là qui va t'empêcher d'honorer tes bonnes habitudes avec le Seigneur. Tous les dimanches, tu donnes à Dieu. Respecte cette coutume. Alléluia. Si ces moyens semblent difficiles pour toi, mets ton offrande dans une enveloppe. Scelle l'enveloppe. Prie avec moi quand je vais rendre grâce. Et dès que tu peux, tu arrives au bureau pour pouvoir l'apporter ou utilise les moyens électroniques qui te sont communiqués maintenant. Alléluia. Nous allons donc apporter au Seigneur avec joie. Alléluia. Je veux marcher. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux courir. Je veux marcher. Je veux marcher sur la voie de l'éternité. Vers toi, mon Père, vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Je veux marcher, je veux marcher, je veux courir, je veux courir, oh, oh, oh. Je veux marcher sur la voie de l'éternité.
Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta parole, merci pour cette semence que tu viens de faire dans nos vies. Nous prions afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions appliquer les choses que tu nous as révélées. Père, cette semaine, tu nous demandes de travailler sur la notion de terac, du retard dans notre vie. Quelles sont ces habitudes-là que nous aimons, que nous sommes attachés, que plusieurs qualifient même de bonnes? Seigneur Dieu, quelles sont ces habitudes-là qui nous mettent en retard dans l'accomplissement des promesses pour toi? Révèle-les-nous, Seigneur Dieu, afin que nous les abandonnions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour tous ceux qui ont semé pour la construction. Arrose-les de grâce. Et même dans ce temps difficile, pourvoie, donne-leur des terres, des maisons, qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis tous dans le nom de Jésus. Et toi qui as honoré un vœu pour les croisades d'évangélisation et pour tout autre besoin, tu es béni par le Christ. Au nom de Jésus, je te bénis. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame encore Jésus. Dans cette période, dans cette situation, nos cultes, en plus d'être en ligne, seront accessibles au niveau d'Abidjan sur des ondes radio. Alléluia. Voilà, donc vous avez la radio La Voix Sainte 88.3. Voici donc l'information. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, à 10h tous les dimanches, pendant au moins 4 dimanches, peut-être plus tard on va étendre, mais déjà sur 4 dimanches, vos cultes seront accessibles en ligne. Je n'ai pas dit le message, je dis le culte. Donc, vous vous connectez à ce culte et vous vous préparez comme le culte habituel. Alléluia. Bien sûr, à la radio, vous n'allez pas avoir les informations bancaires, tout ça. Vous mettez donc des offrandes dans l'enveloppe. Amen. Ou si vous avez les informations bancaires par rapport au culte précédent, vous pourrez faire vos dons. Mais vous pourrez suivre votre message donc sur la radio, sur 88.3. Et il y a une chaîne aussi accessible au niveau du campus d'Abidjan. Voilà. Et je pense aussi qu'aux alentours, on peut recevoir cette chaîne. Alléluia. Voilà. Je rappelle que notre culte, notre église est en ligne. Hein. Par la grâce de Dieu, on est allé au-delà du culte, mais de la vie de l'église. Pendant que vous me suivez, vos enfants peuvent suivre le culte, l'école du dimanche. Il faut aller sur www.vasonneur.org, rentrer dans les programmes de prière d'intercession P24, suivre les cours de l'académie, suivre les cultes de Bloom, etc. Et il y a encore d'autres actions qui seront là bientôt en ligne. Alléluia. Nous voulons maintenant, sans plus tarder, recevoir toutes les nouvelles personnes. Si vous êtes connecté à notre culte pour la toute première fois, nous voulons vous souhaiter la bienvenue particulièrement. Et si vous considérez membre de cette église, comme vous me considérez comme votre berger, comme votre pasteur, mais que vous n'êtes pas encore recensé, vous n'êtes pas encore inscrit, alors cet appel pour les nouveaux vous concerne aussi. Il y a des numéros, il y a des indications, il y a un code QR, il y a des informations qui apparaissent maintenant sur l'écran. Il y a un numéro qui vient, il faut le joindre par WhatsApp et on va vous insérer dans un groupe. Vous allez avoir, par la grâce de Dieu, un pasteur et des frères pour vous suivre. Et avec ça, vous allez pouvoir accéder à toutes les formations qu'il existe en ligne, telles que l'académie en ligne, faire les formations, faire les cours de baptême. Et puis après, on va trouver. On baptise pas en ligne. Hein. Alléluia. Voilà. On va faire le baptême physiquement. Voilà. Hein? Je me demande si ça sera possible. Je vous ai dit, baptiser. On te voit de l'eau. On dit, mon frère, voilà, va dans l'eau. À l'écran, non, il n'y a pas de baptême en ligne. En tout cas, on va trouver un moyen pour pouvoir te plonger physiquement et annoncer ta mort et ta résurrection en Jésus-Christ. Amen. Mais les formations sont accessibles en ligne. Alléluia. Alors, si vous êtes là pour la première fois et si vous ne vous êtes jamais inscrit, ce chant-là vous concerne. Pendant que vous êtes en train de vous inscrire, maintenant en ligne, Worshipper et toute l'église vous souhaitent la bienvenue avec ce chant de bienvenue. Alléluia. Oh, yeah. Ce chant-là, il est pour toi, ma soeur, mon frère. On y va. Bienvenue, soyez les bienvenus. Oh oui, soyez les bienvenus. Vraiment, vraiment, soyez les bienvenus. Tu es la bienvenue. C'est comment? C'est si bon de te voir parmi nous.
ici, tu es chez toi. Et on fait quoi? On t'ouvre grand les bras et on te dit à quoi bas, à quoi bas, à quoi bas. Alléluia. Maintenant, on va bénir les nouveaux. Bon, le nouveau, même si tu es seul chez toi, reçois la bénédiction. Tu es béni, ta vie est bénie, ta maison est bénie, la grâce de Dieu avec toi, le sang de Christ te protège. Soyez béni par Jésus-Christ. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame Jésus là où il est. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, chers amis qui êtes là pour la première fois, je vous ai déjà dit ce que vous avez à faire. Il faut juste vous inscrire aux informations qui vous sont communiquées là sur l'écran. Et vous allez devenir donc membre, vous êtes devenu membre dorénavant de cette grande famille vase d'honneur, message de vie. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir dans cette grande famille. Alléluia. Pour le moment, nous faisons des cultes exceptionnels compte tenu de la situation. Donc, nos cultes sont en ligne et nous n'avons que deux cultes le week-end où vous avez donc le culte en live. Bien sûr, plus tard, vous pourrez les avoir en différé parce que les cultes seront laissés sur notre page YouTube et sur le site Internet. Donc, les cultes, c'est le samedi à 18h30. C'est culte de guérison et de miracles. Et le dimanche à 9h, nous avons un culte. Et le culte est simultanément en anglais. Il faut donc, pour ceux qui nous suivent en anglais, for those who follow us in English, you have to click the link here and you will join our service in English. And by the grace of God, you will be blessed by the word of God in English. Alléluia. Et nous rendons grâce donc au Seigneur pour tous ces bons moments dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous bénir juste avant que nous ne prenions le repas du Seigneur qui sera conduit par l'évangéliste André Musungu, n'est-ce pas, qui va nous conduire donc dans le repas du Seigneur. Que ta sainte scène soit prête, que tous les éléments soient prêts pour que nous puissions ensemble communier dans le Seigneur Jésus. Mais déjà, je veux bénir ta semaine. Reçois une puissante et une glorieuse bénédiction. Tu vois, depuis la semaine dernière, voyant cette atmosphère dans laquelle nous entrions, j'ai déclaré des paroles de bénédiction. Dieu nous a bénis, il a dit, même dans cette situation, vous allez prospérer. Parce que vous êtes mes élus. Alléluia, vous allez prospérer parce que vous êtes mes élus. Et je déclare dans ta vie, tu prospères en santé divine dans le nom de Jésus. S'il y a des personnes qui me suivent, qui sont alitées, malades, fatiguées, la santé divine prospère en toi et tu es guéri, tu es restauré dans le nom de Jésus. La peste qui vole de jour, les flèches qui volent la nuit ne t'atteindront pas, n'entreront pas dans ta maison, dans le nom de Jésus. Je déclare, je prophétise le sang de Jésus, ta maison, ta famille, et rien ne rentre dans ta maison comme maladie, au nom de Jésus-Christ. Tu es loin de Dieu afin d'expulser de cette terre ce vide 19, au nom de Jésus. La faveur divine avec toi. La santé divine est relâchée. Et toi qui me suis, reçois ton miracle de guérison. Pendant que je prophétisais, j'ai vu quelqu'un qui avait des problèmes, Dieu, qui est en train de perdre la vue. Que Dieu vienne de guérir. Que Dieu vienne de guérir. Que Dieu vienne de guérir. J'entends le prénom Harold. J'entends le prénom Harold. Reçois ton miracle de guérison. Reçois ta vue, devienne normale au nom de Jésus. Je bénis votre semaine, qu'elle soit exceptionnelle. Je disais que la semaine dernière, on a béni des frères. Et il y a des personnes parmi nous, en pleine semaine de confinement, qu'on a appelé pour les nommer directeurs DAF. Il y a d'autres personnes qui ont eu des bourses, des prises en charge de plus de 20 000 $ à cause de la grâce de Dieu. Les enfants, les élus de Dieu sont distingués. Quand la peste frappe, Dieu les distingue, Dieu va te distinguer. Si la maladie t'avait atteint, Dieu va te distinguer. Dieu te guérit. Si tu connais un parent qui est malade, tu es un instrument de la main de Dieu pour qu'il soit guéri. Nous nous souvenons des malades. Nous nous souvenons du corps hospitalier. Nous nous souvenons des médecins. Nous nous souvenons de tous ceux qui travaillent. Nous nous souvenons de tous ceux qui sont au front. Nous nous souvenons des gouvernants et nous les bénissons dans le nom de Jésus afin qu'ils soient inspirés de la sagesse divine pour prendre des décisions selon la grâce de Dieu. Nous bénissons le corps de Christ afin que ces situations-là nous mûrissent et nous fassent grandir avec le Seigneur. Nous bénissons l'Église de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Cette semaine, comme un tapis rouge est sous tes pieds et tu es élevé au sommet et des portes extraordinaires te sont ouvertes. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia.
Amen, amen, amen. Nous voulons encore acclamer le Seigneur pour ce merveilleux, extraordinaire culte que nous avons eu ce dimanche. Et ce temps, nous voulons encore aller de gloire en gloire, comme le Seigneur nous a instruit aujourd'hui. Rechercher le meilleur. Et le meilleur, c'est de partager le repas du Seigneur, telles que les instructions apportées par le pasteur Mohamed avant de se retirer de la chair. Vous avez dû apprêter déjà autour de vous le pain sans levain ainsi que votre jus de raisin pour partager le repas du Seigneur. Sont conviés au repas du Seigneur, ce sont les personnes qui ont fait la paix avec le Seigneur, les personnes qui sont passées par les eaux du baptême à l'image d'être immergées dans les eaux comme Jésus lui-même a été plongé dans les eaux et sorti des eaux en signe de nouveauté de vie. Alors si vous êtes prêts, nous allons partager le repas du Seigneur. Nous allons juste partager une portion des Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11 au verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit ceci, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Ici, l'apôtre Paul avait une attente. Il se disait que quand on se retrouvait pour le repas du Seigneur, c'était pour devenir meilleur. C'était dans les familles, parce que plus tard, vous allez voir, si vous lisez ces passages, il dit, vous avez des maisons pour manger. Il parlait du repas du Seigneur qu'il fallait différencier avec le souper ou le dîner que vous prenez. L'occasion nous est donnée dans ce temps de confinement de pouvoir partager le repas du Seigneur en famille, même si vos enfants ne sont pas baptisés, mais qu'ils soient autour de vous quand vous prenez le repas du Seigneur, pour qu'ils voient cette communion fraternelle que vous avez. Cela aussi est l'occasion de vous rappeler qu'en ce temps de confinement, d'apprendre à partager même votre repas avec votre famille autour de la table et bénir le Seigneur. Et nous voulons partager le repas en souvenir de ce que Jésus nous a enseigné. En tenant compte des mesures d'hygiène, donc nous allons désinfecter nos mains, même si vous êtes chez vous à la maison, vous allez le faire tel que moi je le fais avec pasteur Liliane ici. Amen, amen, amen. La Bible nous rappelle que la nuit où Jésus-Christ allait être livré, Jésus prit du pain et il rendit grâce. Ensemble, soulevons le pain que nous avons et nous allons rendre grâce. Père de grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons en ce jour parce que, Père, malgré les calamités, malgré que le monde est aux abois, nous sommes dans ta maison, nous sommes autour de ce repas pour rechercher la vie divine qui est au travers de ton corps. Et la Bible dit, après avoir rendu grâce, Jésus a nommé ce qu'il avait entre ses mains en disant, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Ceci n'est plus du pain, mais ceci devient le corps de Christ. Dans le corps de Jésus, il y a la santé. Au temps de Jésus, il y a peut-être eu des épidémies, mais Jésus n'a jamais été atteint. Au travers de ce repas, nous voulons déclarer la vie divine dans nos corps, la vie divine au travers de nos familles, dans le nom de Jésus. La Bible dit par la suite, il a brisé, il a rompu le pain pour partager à ceux qui étaient avec lui. Ensemble, mangeons le corps du Christ. Ton esprit sur ta présence. La Bible dit par la suite, il prit du fruit de la vigne. Et en rendant grâce, Jésus a nommé cela en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et après cela, il a partagé avec ceux qui étaient avec lui. Nous voulons ce matin lever la coupe. Jésus présente cette coupe en disant, c'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Nous avons une alliance de vie. Dans cette alliance, la vie Zoé patrouille dans nos corps. Nous voulons prendre le sang de Christ, déclarer que la vie divine est notre partage. Ensemble, buvons le sang de Christ. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous et bonne semaine.
nous appuie.